tombé. Il est tombé là. Donc on se baladait en forêt avec la famille, j'étais avec mon frère, on se chamaillait comme d'habitude. Et en fait j'ai fini par le pousser et ben, en fait il s'est fracassé le crâne contre une pierre. Ça se voit combien ? Excusez-moi. Hey, mais comment vas-tu? Hey, là? Mais t'as craqué ou quoi là? Tu te rappelles plus de mon prénom? Non, excuse-moi Albert, je sais pas, j'ai eu comme un blackout. Ah ouais, mais t'en fais pas, moi aussi en ce moment je suis crevé. Tiens, hier j'arrivais même plus à me rappeler où j'habitais, alors tu vois. T'as vu la dernière application Révolution? Non. C'est quoi? Tu connais pas? Tu vis dans une caverne. Attends, c'est un truc d'enfer, ça déchire tout. Ah non, mais je déconne pas. Avec ça, tu peux voyager dans le temps, tu te rends compte? Non, pourquoi t'es pas millionnaire? Bah, quoi? Bah, si tu peux voyager dans le temps, tu remontes avant le dernier tirage du loto, et hop, t'es millionnaire. Non, c'est pas si simple. En fait, tu peux voyager que dans le futur. Tu zappes du temps qui te sert à rien. Sérieux? Attends, c'est un truc de dingue. Il paraît même, tiens-toi bien, que c'est un mec qui était facteur. T'entends, un facteur qui a développé son truc dans son garage, tu te rends compte? Attends, je te montre. Je vais me zapper 10 secondes. Tu vas voir. Le seul truc chiant, c'est de pouvoir maîtriser le... Truc de dingue. Rendre dingue surtout. Au moment où tu vas zapper. Hé, hey, t'as vu? C'est dingue, hein? Ouais, mais d'où j'étais, c'était pas très impressionnant. Sacré toi. Bon allez, je te quitte. Je vais prendre mon bus. Tiens, mais j'y pense. Demain, on va faire un repas chez François et Virginie. Ça te dirait de venir? Ouais, ça me ferait plaisir de les voir. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ça fait jamais qu'une semaine. Le problème, c'est qu'on devient complètement accro. Moi, par exemple, je suis complètement passé, je zappe même la nuit. Ah ouais? Mais j'y pense, et vous, les jeunes parents, ça ne vous arrive jamais de zapper les mômes qui chialent? Non, mais tu m'as bien regardé. Est-ce que j'ai une tête à faire une chose pareille? Enfin, je suis assez choquée par ce que tu dis quand même, parce que, je veux dire, maintenant, quand on décide d'être parent, ta gamin, il pleure, il se croit pas pour n'importe quoi. Je veux dire, généralement, il pleure parce qu'il est malade, il a faim, de zapper, surtout un moment pareil, où généralement ça rend en alerte. Ta famille, ta belle famille, etc. Donc bon, écoute, tu te lèves, soit il a mal quelque part, soit il a faim, soit il a besoin d'être changé, enfin, quand tu te lèves, tu sais.
a vraiment marre de tes copines. C'est toujours la même chose. J'ai rien, tu ne fais que de parler de tes gosses. Enfin, si tes amis s'intéressaient à autre chose qu'à manger et leur appeler à la con... Ils ont tout à fait le droit de zapper, si t'étais un petit peu moins chiante. Chiante? Je suis chiante? Oui, mais oui. T'es dégueulasse. Oui, t'es chiante. Hey. Qu'est-ce que je fais ici? Qui êtes-vous? J'étais complètement perdu, maman. Complètement. Je ne savais plus où j'étais, ce que je faisais. Je suis sûre que ce sont tous ces appareils électroniques. Et ce truc, pour zapper, comme ils disent, ça n'aurait jamais dû être inventé. Mais dis, tu m'écoutes? Bonjour, madame. Madame? Tu te sens bien? Écoute, tu me fais peur. Oh, mais reviens, ne t'en va pas! J'y arrive. Ça n'aurait jamais dû être inventé. Faut absolument que j'empêche ce programme d'être inventé. Bonjour, monsieur. Dis-moi qui est le créateur de Révolution. Quoi? Dis-moi qui est le créateur de Révolution! Oh, mais tout le monde le sait, là, c'est Paul Tourian. Paul... Tourian. Oui, enfin, c'est peut-être un pseudo, comme on peut savoir. Je sais où il habite. Je sais ça. Pourquoi je sais ça ?